Je dois tirer la bonne carte. Je joue ma carte maîtresse. Épisode facile! Eh bien bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Aujourd'hui je sors un petit épisode tout léger sur des démons absolument pas connus, un peu pour certains, qui ont des noms particulièrement cocasses. Parce que j'ai pas le temps de déménagement, de taf en même temps, ça arrive, plein de boulot, pas le temps. Ce sont pour la plupart des démons dont on a zéro information. Du coup, c'est surtout une phrase dans mon traité de démonologie. Donc, vous m'excuserez de paraphraser un peu. Une seule phrase, tu peux pas la tourner autrement. Hein. Il y a des démons dont j'ai déjà parlé. Mimi, Zozo et Crapoulet, par exemple. On dirait que leur nom, c'est des enfants qui leur ont donné. Petit Pierre et Barbier, dans l'épisode sur les démons allemands. Petit Pierre, c'est tout mignon. Oh alors, le petit Pierre, mais il a encore grandi. Et Barbier, c'est un putain de métier. D'ailleurs, faudrait peut-être que j'aille voir un barbier, moi. Péchet, le démon qui se conjure le vendredi. Eh ben, lui, on fait de la chimie avec lui. Cool. Perrier. Prince des principautés, que l'on invoque lors des litanies de sabbat. Pierre de feu, sauf que lui, c'est pas un prince, mais il fait évoluer Goupix en fenard. Et Pierre fort, c'est un caillou très très fort. C'est bien, je fais plein de pubs pour mes vidéos dont vous n'avez pas vu, petit coquin. Bref, liste par ordre alphabétique de démons qui ont le nom un peu drôle, cocasse, MDR, LOL. Charbon d'impureté, l'un des démons présents dans la possession de Loudun. Ouais, lui c'est un bout de bois noir et pas très très propre. Châssis, de voiture, ha 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 ha. Les habitants de l'île Morian, des îles près des Philippines, attribuent à ces démons le pouvoir de tourmenter ceux qui tombent entre leurs mains. Pour ce peuple, l'enfer est la maison des châssis. Kokoto. Démon succube adoré dans les Indes occidentales, mentionné par Bodin dans la démonomanie. D'ailleurs, mes cocos, il y aura un épisode spécial sur des succubes et des incubes en particulier. Comme Kokoto, Gaspard, démon qui servait Héliador, un... Gaspard, dis pas tout. Bon, ok. Gulet. Gulet. Mais il est pas très drôle celui-là, attends. Ah. Oui, non, Gulet, il a un deuxième nom. Bonasse. Et je parle pas de toi, Micheline, derrière ton écran. Enfin, je sais pas si t'es une bonasse. Envoie une photo de toi à poil. Je déciderai après. Ce sont des démons qui servent les hommes dans la Norvège et qui se louent pour pas grand-chose. Ils brossent les chevaux, les étrient, les selles, dressent leurs crins et leurs queues. Bonasse et coquine. Salope. L'homme rouge. Après le petit chaperon rouge, voici l'homme rouge. Sauf que lui, il est pas très mignon. C'est le démon des trompettes. Petite citation. La nuit... Dans les affreux déserts des côtes de la Bretagne, près de Saint-Paul-de-Léon, des fantômes hurlants parcourent le rivage. L'homme rouge, en fureur, commande aux éléments et précipite dans les ondes le voyageur qui trouble ses secrets et sa solitude qu'il aime tant. Le peuple crut un moment qu'un petit homme rouge venait visiter Napoléon Ier pour lui annoncer ses rêves. Lutteur, démon qui aime la lutte et les jeux de main. Sans déconner. Malak Shabala. Shabalabala, Shabalabala. Dans la Kabbale juive, on nomme ainsi les démons qui sont sous les ordres de Samael. Ils remplissent les 7 régions de l'enfer. Martinet. Démon familier qui accompagnait les magiciens. Enfin, là c'est plus le magicien qui est familier. Parce que si tu oses faire un truc, même sortir, allez aux chiottes, je sais pas. Ça mettait Martinet très en colère si tu ne lui annonçais pas ce que t'allais faire. Faut dire aussi que c'est un ambassadeur en Suisse. C'est pas n'importe qui. Quelquefois aussi, il rendait des services aux voyageurs, en leur indiquant la bonne direction. Et petite info de la pop culture, c'est un personnage important dont Wedge no Bahamut. Hob, à ne pas confondre avec les Hob de Fable, démon syrien qui était, à ce qui paraît, ventriloque. Il donnait ses oracles par le derrière. Tu vas mourir! Et toujours d'une voix basse et sur un ton funeste. Et pour finir, Pucelle! Petite pucelle! Bon, lui c'est un grand duc, donc il mérite un épisode à sa hauteur. Rien que pour lui, ou pas. Voilà, petit épisode simple, court comme ma bite, facile à produire. Et puis bon, c'est intéressant, une quinzaine des démons ont un nom particulièrement chelou et assez drôle. Ça démystifie un peu tout ça. Voire les ridiculise. Vous voyez, les démons sont pas si méchants. Oh, je déconne. Enfin, j'en sais rien en fait. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain épisode sera plus intéressant, je crois. Je serai encore en plein déménagement, c'est génial. Bref! Like, partage, commentaire, abonne-toi, et à la prochaine.